Me zanme si span peye moun pou yo kriye dropshipping store pou nou. Men, non mesye, nou me chan. Nou me chan pil, mesye. Na fe moun yo peye 2000 dolar Ameriken pou nou kriye dropshipping store pou yo. A, ah, nan, mesye, nou me chan. Sa le di mte met. tout fait mais tout business que moi j'ai là yo. et puis mal fait comme ça tout fait mon payer 3 000 dollars pour moi ouvrir job shipping store pour yo. ah non monsieur non méchant non méchant en pile monsieur donc après vidéo je dis à ou pas jeune qui te fait comme encore. parce que je dis à moi pour montre montrer comment pour créer un drop shipping store de a à z <laughs> m'a le un pile en et ce et c'est pas un bagaille qu'on va le payer pour créer son bagaille qu'on va le créer gratis et l'opé on est 2000 dollars tout 2000 dollars là dans poche il pas payé en yen. Et ça' sac moi c'est lourd du merlus moi c'est un internet entrepreneur passion moi c'est créer business créer opportunité pour la gens rentrer dans le poche moi et moi veut montrer comment pour faire le tour dans la vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment pour créer un store dropshipping, gratis La vidéo aujourd'hui vais pour lui un petit crasse longue parce que tellement de des bagages moi pour le dire telman mwen gen debaga ek yon bral pote pou, mwen oblije fe 2 video. Jodi ya, ma fe pati 1 an, e nan yon lot video, ou bral jwen pati 2 an. Bon, koun ya, an pase sou ordinatè ya. Bon, bien avan m komanse, ki te m fon rappel sou koman dropshipping nan foksyone. Ebyen, se de prodwi ke wav vende san pou otan, ou pa gen okin stok, ou pa gen prodwi yo, ou pa teste prodwi yo, ou pa konan yen de prodwi yo. ou juste aller sur le site distributeur, ou prend photo produit, ya, ou si c'est plusieurs produits, ou prend photo produit, yo, ou aller ou afficher produit sur le site PO, mais à des prix plus élevés. Un exemple tout simple, si on distributeur à 20 sandales, il y a affiché sandales à 20 dollars, ou aller ou prendre photo sandales là, ou mette sou website po ou, men ou afishe sandal la vant 50 dola. Le yon customer vini kouni ya, l'achete sandal la sou website po la, ou men ou kontakte dropshipper ya, ou kontakte distributor ya. Customer a pay ou sandal la 50 dola, ou achete sandal la nan men distributor ya, 20 dola, ou voye tout kou a donne customer ya, par distributeur distributeur lui-même livrer li produit par by customer et ou même ou fait 30 dollars profit par contre se non ou prend photo sandal là ou pas acheter sandal là ou pas tester sandal là ou pas connaître qualité sandale là c'est juste photo sandal là ou prend ou mettez sur website pour ou capable faire advertisement pour sandal là de pour vendre sandal là par exemple, distributeur a affiché sandal la vente 20 dollars. Ou même aller allez sur le website Paul ou mettre sans la vente 50 dollars. Depuis un customer paraît l'acheter sans la sur le site là ou a fait 30 dollars profit. Customer a acheté le website, la sur le site ou contacte distributeur, dropshipper ya, ou deal. Voilà, moi j'ai tel customer qui acheté sans ça non même mais qui compte le rete. Mais qui côté la vive mais toute coordonné li voyer sandales sa balé. Dropshipper ya voyer la by customer a dropshipper ya lui-même il toujours fait 20 dollars et ou même au sortie à 30 dollars. Donc en gros c'est comme ça que le les mêmes les fonctionne. Il y a plusieurs façons ou capable de faire business dropshipping Il y a plusieurs façons ou capable de lancer Young business, dropshipping sur Internet. Mais nous prendre une façon qui uh, plus populaire. C'est peut-être les même tout qui est plus simple. Uh, plus simple parce que nous permet de joindre un uh, supplier distributeur plus facile. Uh, plus simple, lui permet de contacter un uh, supplier le ou un achat plus facile. Uh, nous pouvons le avec Shopify. Shopify.com n'allez nous rentrer Shopify.com Ok, nous sommes sur site Shopify là. Pour nous créer un store, nous allons démarrer avec une démo. Ok, nous allons cliquer sur bouton ça là. Donc, il y a 14 jours Gratis, c'est peut-être le temps pour finir une store Et on capable tout commencer, à vendre tout. Ok ou 14 jours gratis devant sans pas payer yon good. Alors, Léon quelqu'un prend 2 000 dollars américains dans 3000 dollars américains dans li monde, il l'ouvrir, dropshipping store sur so, Shopify, relais Mon après l'offre payer, il de des vidéos, ça, relé munza mandé le côté cobo attendez mandé le côté cobo et l'ofin cristo m'a montré après 14 jours ça combien kob shopify pour le mando pour montrer comment yo fait l'argent parce que l'ochit ou même ou reste sur internet là c'est beau devoir veiller c'est euh, zen devoir veiller c'est des bagages inutiles des bagages qui pas petit rien ou, ou perdre ton là yo eh bien c'est normal qu'on y a ou un état euh, et qu'on a love les prend la vie au sérieux ya, ou pas l'obliger payer un moun pour le faire un choses gratuites. pour parce que moun ça les connaît que ou même ou pas pa prendre le temps pour chercher moun ça connaît que ou pas des informations ça la millionnaire sous et ou même moi vin pis pauvre An alè kounye a, an nou kreye e store Shopify la, uh, store dropshipping nan, nap mette email adres nou. Nap chwazi yon, ah, eskize mwen wè. Nap chwazi yon password.

cherchez un nom qui a les produits produit cosmétique parce que l'homme monde veut non ça pour dire pour qu'il ait une idée OK et mais attention parle l'histoire la volonté de dieu euh, non parle <laughs> pas histoire non non yo by yo by camionnette yo attention fait un bagail pour le customer apparaître euh pour qu'il ait une idée OK donc moi même moi je vais et moi je vais créer store pour moi vendre euh, comme si des bijoux bracelets, chaînes euh, bracelet, chen, euh bon ben bah, on sait si bracelet avec ce c'est pas même bagarre là de, <laughs> OK des produits des bijoux OK euh pour aller moi reler là moi reler Dje wè lous. Ok? Ti ka retire mwen lèl. Ah, sa existe deja. Mwen Mwil, retire est la, mwen mette zed. Dje wè lous. E mwen kreye sto mwen. Ok. Nan pati sa yo dzo pou pale yon ti kras de ou men. Euh, yo mwado, eske wav van deja? Dok, sko pa pou ven deja, ou pou ale ou di nou, I'm not selling products yet. Yo mando, eske ou gyan bagay pou ven? Do you have something to sell? Nou kapap, nou kapap chwazi sa. I'm still brainstorming. Yeah, nou kapap, nou kapap, nou kapap chwazi sa. Ou nou kapap di yes, nou gyan produi. Puisque vous déjà eu idée. Yes, moi grand produit déjà et m'a pas lancé dans quelques semaines. Pas un problème. Yomado, combien corps bois pour rentrer gonia Donc, puisque pas une pièce corps bois pour rentrer gonia, on mettez zéro Là yomado, est-ce que on setup store pour un client Donc, puisque on pas setup store pour un client, on quiter le vide. Moi mettez m'en place non parce que c'est nous pour créer ce store non donc, ce n'est pas le monde qui payer payé 2 000, 3 000 pour cette upstore pour nous. Nous cliquons sur Next. Là, vous avez pour remplir les euh, données. Formulaire ça. Formulaire ça. Là, vous rentrez non moi. Là, vous rentrer une adresse. Euh, donc, n'importe quoi, vous êtes obligé d'être États-Unis. Ou como eu sou Santo Domingo, eu sou capaz de Santo Domingo. Uh, Quem é a sua? Uh, Ricardo Carti, Via Panamericana. Eu de Santo Domingo, eu sou République donc ou même pourquoi même soit ici on est capable faire Shopify on est capable faire un dropshipping store yeah qui a la là dedans ok donc n'importe quel toi il y a un modèle on capable faire un dropshipping store moi mets code postal moi donc euh, moi mets tes phone number moi n'est pas optionnel faut qu'on mette il est obligatoire euh, moi un gars téléphone Donc, ça c'est juste un exemple, oui, mais c'est pas que le téléphone m'a servi oui. ou même soit l'entrée téléphone ou pas besoin de moi. Ok? Donc, euh, est-ce que vous avez un website déjà? Ou vous pouvez website, c'est setup, web, setup, li, là. Ou fini, ou cliquez sur enter my store. Rappelons que je te dis que moi j'ai une mauvaise prononciation anglais parce que moi toujours euh, en français, ok? Store créer là. Mais pour qui ça va payer 2000 dollars? Mais pour qui ça va payer 2000, 3000 $2 dollars? Store à créer là, ok? l'irité y pour nous ajouter des produits dans store, l'irité uh, pour nous personnaliser le website store. Euh, Sopi fay yo fri tout bagayze, nou ba bezon pe na pwesa api devan, euh, se petet nan yon lot video, paske euh, mba wale fe video a tro tro long, euh, paske mwen konen gen den moun ze megabyte yo oblije achete pou yo kapab uh, gade video a. Ok? Donk mba wale fe video a tro tro long pou mwen boule tout ti si megabyte. Mwa wale jist fe uh, depresentasyon de bouton ke nou wala yo. Answit, Euh, montrer comment nou pour nous paramétrer uh, Shopify, comment pour nous accepter uh, paiement, quel type de paiement pour nous accepter, est-ce que n'a pas accepté paiement par carte uh, de débit, carte de crédit, Mastercard, uh, Visa, American Express, etc. Comment... Euh, na fe shipping nan, euh, eske na pou free, free shipping, eske na fe shipping uh, payan. Donk nou pal wè sa, sa uh, talè konza. Men an atadan, an nou fè yon bref prezentasyon de bouton ki nan bar lateral sa. Uh, la nou gwen bouton ki se orders. Se la nou pal wè e nou pal uh, manage tou Tout uh, ode nou yo, tout komand uh, yo, ok? E se nan pati sa to, uh, ou pal wèl leyon ode uh, te komplete, leyon moun te abadouni a sha, leyon moun te komplete a sha, etc. Donc la se historik uh, tout komand ke moun pral fe sou sit web la. la nou gen, la nou klike sou bouyon, draft. Nan pati sa nap kapap kriye invoice, uh, se si nap voye email invoice uh, by klien, uh, by customer, uh, ou bien uh, se si nap pran komod pa telefon. Donk, uh, tout pati sa yo, uh, le nou fin komplete store, le nou fin parametre tout bagay, nap kapap uh, sevi avèk yo, konsato gen de pati nou pap sevi avèk yo. Nan troasyen bouton sa a, se la wapwe le yon moun pa komplete achar. E, yon moun ki te komanse, yon moun ki te sou sitweb la, uh, ki ta wala achete petetre, e ta sanble gom ba agi pase, li deside pa achete anko. Ok, la li abadone achar. Nan bouton podoks, se la nou palwe list prodwiyo, Okay? E se la tou nap kapab ajote de prodwi, me nou pa pal seviye avèk patisa trop, paske mwen goun jem bral fè nou ajote prodwi yo, an nou pase sou patisa pou kem pa vin bouye tet nou la. E, map pase sou tout patisa yo, transfer, uh, inventer, koleksyon, gift card, nan pou wè tout patisa yo, uh, le nou pral ajote de prodwi nan store. dans euh, la deuxième vidéo. Donc, dans le bouton « Customers », c'est là que nous pouvons voir l'historique des customers, qui est les euh, customers, qui euh, ça les pour nous capables comprendre les ok Pour nous capable comprendre qui est le qui a plus acheté sur le website là etc. jean euh, patron Amazon nous dit euh, depuis que vous comprenez le client, pas business ne doit pas marcher. Bon, je ne vais pas aller je vais juste traduire le bon <laughs> On clique sur le bouton Analytics. Analytics, c'est là, là que nous prenons pour combien a de copes sont à vendre. ça me capable de dire là combien de gens qui actuellement visiter le site. Là. Ok? Combien de monde, euh, qui sont sur le site là, actuellement? Online Store Sessions. Euh, là, nous jouons toute information importante, toute euh, information analytique sur ce tournoi, OK. Là, euh, nous avons regardé combien pourcentage de customers qui retournaient sur ce site-là, peut-être le Yofin font achat. Le ofi nou foun achay, yo tare men foun lot achay, yo retoune sou sit la. Donk la vreman se yon pati ki vreman important pou komprenn koman sto a li men lap evolwe, koman lap mache, euh, eske tout bagay korek ou bien eske gen bagay ki oblije chanje. E nan le nan pati report la, donk la nou pa genyen oken report paske nou poko nou poko vreman gen store, euh, sa se vante. pour 30 derniers jours qui passent. OK. Ça, c'est session qui t'est ouverte sur ce site-là. Euh, Peut-être combien de visites euh, site-là dans reçu 30 derniers jours qui passent. Euh, ça, c'est quantité de euh, matchs de profil, euh, je de Qui match de profil, vous fait? Euh, combien... Un uh, uh, customer que vous recevez qui interagit uh, ensemble avec le uh, site ou uh, c'est peut-être un customer, c'est pas seulement y a un visiteur qui vient sur la site non? Mais c'est un customer qui a cliqué de partout, qui uh, a rentré uh, par-ci et par-là, qui uh, a peut-être s'il était capable d'acheter. Ok? Uh, Parti ça, yo. Euh, nous ne pouvons pas statuer sur eux pour le moment. Live view, là, nous n'avons pas à comprendre combien de visites en live qui euh, sont sur site-là. Et qui côté visiteur, là, nous avons map. Nous na n'avons pas à voir qui côté visiteur ailleurs. Et si visiteur acheté, il euh, n'y ça à bannon. OK, tel visiteur tel côté fait qu'acheter. Ok, c'est des informations complémentaires pour nous capables de comprendre euh, site, nous, pour nous capables de comprendre l'évolution du site. Nous. Marketing, là, c'est là pour nous faire promotion des euh, produit que nous avons venu nous s'attend, nous capable, nous pas faire, eh, partie ça. Nous allons aller sur Facebook, nous créer des annonces. Nous allons aller sur Google Ads, nous créer des annonces. Nous allons nous nou faire, uh, des emails marketing. Nous allons aller sur Instagram, nous fait nous fait des annonces. Donc, partie ça, avec les outils que nous avons mais sur les réseaux sociaux, nous vraiment, uh, moi-même, moi, pas jamais créer campagne sur partie toujours aller sur Facebook. ou soit je sur Instagram. Ok, euh, je fais campagne, moins deux façons. Euh, me servi avec réseaux sociaux. Ensuite, moins servi avec, euh, email marketing. Par exemple, les clients achetés dans même, moins moins exige pour clients bam bon email vais vous montrer ça tout à l'heure comment pour nous configurer et store comme ça. Moi exiger pour clients bam bon email li. Ok? Et client lui-même vient livré un customer account. Et moi-même, depuis client même, euh, le client lui-même, je l'ai le check-out, je le payer tout modèle pour le ça. Yon. Et le fini, et si même le client pas acheté, je suis capable toujours voyer des annonces dans boîte euh, email client. Okay? Pour m inciter le client à faire un achat. au soit si le client a acheté, pour inciter les clients à retourner sur le site là ok donc nous parlons importance email marketing dans ces belles bagages mes amis discount euh, c'est là nous pourrions créer des discounts codes comme si euh, nous créer des codes le monde n'aura pas payer ok si mon euh, a con code ça mon n'a pas à un discount sur ça la page là Okay. C'est peut-être ces saisons Noël, elles besoin de booster maintenant. Nous faisons un rabais, mais nous faisons un rabais par code, comme si nous pouvions partager le code sur les réseaux sociaux, ou bien nous créons des annonces, nous disons, OK, voilà, rentrez tel code, venez sur site nous, rentrez tel code, ou vous à un discount. Bon, C'est que nous connaissons ce genre de marketing. Aplikasyon, nou pou al sevi avèk aplikasyon um, sa yo pi devan, lè nou pou al ajote uh, podwi. Plou prezisèman nou pou al sevi avèk Oberlo, ki son aplikasyon te uh, kapap di ki san parey pou Shopify. San parey. Ok, msase mwen fe uh, yon brev prezentasyon de, de bar Lateral ça, je suis capable euh, de tout paramétrer site là. Ok, c'est là que nous allons <métri> paramétrer site là. Mais pour le moment, je passé passer ça m'a là, je deuxième vidéo. Parce que ça, c'est un petit qui est euh, langue. long. Li yon, li yon long. Okay? Nous <métri> allons paramétrer un site, nous allons créer un site web euh, directement dans Shopify. Il y a des qui connaissent WordPress déjà. Qui travaille sur WordPress déjà. En tout cas, c'est. C'est même, même bagay là. C'est presque même bagay là. C'est même interface là. Ok? C'est Watch Your Seas, Watch you Get, uh, Wig. Uh, ou des templates qui là, ou juste venir ou choisi « présentation Ok? Donc, parti ça. Nous quittons pour une deuxième vidéo. Uh, le nom fin ajouté ajouter pour nous. Et puis, nous euh, allons préparer. E yon logo pou sa, euh, mbwèl prepare yon banyan, mbwèl prepare dez imaj pou ke mwen rend sit lan akseptab pou moun bavin kritikem la. Ok, <laughs> nabwèl klike euh, sou pati ki enterese noujodia ki se settings, euh, koman pou parametre sto a. Qui okay. paiement on ne va pas accepter, qui paiement on pas accepter, comment on fait faire le shipping, ou, etc. On cliquer sur Settings. n'a pas cliquer sur Général. nous capable de voir les détails de ce nom-là. On va pouvoir obéir détails de ce Ce c'est Joël Lousse. Account Email. Ça, c'est l'email uh, pas rentrer pour accéder à store. Customer e-mail, se e-mail sa customer yo apwe. Legal name of business, so gon nan legal, so gon nan non business legal, yo kapab metil la. Ok? Don si nan an pa legal, mba konseyo metil. Paske fwa kon nan legal, ge fwa son pou achete nan legal sou internet la, mba se ma fe yon video sou sa. Time zone, sa balde ban nan, nan ki pay ou ye, ou vle konfigure esto ou as selon pay ou ye ya. La, mwen men mwen Santo Domingo, Republik Dominikèn, mwen kite Timezone nan soli. Euh, Unite de meziyo yo, mwen kite sou sistem metrik, mba metel met uh, sou imperial, metel sou sistem metrik pou mka jen met, sentimet, etc. Um, Unite de poyo, donk pa gen liv, se gen selman kilogram, e gram, mba se m dekabab jen uh, lb, pounds. Donk, pa gen liv, donk, an gite l sou kilogram. Pati ke potan, te kapap di ki plus impotan, se uh, la jan wap aksepte sou sto wap, deviz wap aksepte ya. Eske wap gon sto ki konfigure uh, an dolar? Eske wap gon sto ki konfigure an liv, an peso? La sto wap konfigure an peso, ma pritire li an peso, Moins je le en U.S. Je vais tout faire un petit tripôt. bon est-ce que je peux mettre stock en good Ouais, ou pas mettre stock en good. Donc, soit si vous voulez faire job shipping, euh, ou vous voulez euh, mettre stock en good, ou à mettre en good. Mais la loi de sur Internet, toujours maintenant, c'est que c'est <laughs> dollar qui prime. Mettez stock moins en dollars, moins sauvegarde. Ok, la nou chwazi deviz Stora. Ki mounen ou pou al itilize uh, nan Stora. Ok, uh, Payment Providers, la se la nou pou al aksepte Payment yo. Ok, uh, premierman nou kapab uh, aksepte Paypal sou Stora. Ok, la li pou al mwade fokou genyon kont Paypal ki verifiye. Ok, on compte PayPal vérifié. Euh, là, nous capables euh, sélectionner pour mon payer via un tiers parti, comme si c'est si moi cliquez Choose Third Party Provider. Moi, vous montrer nous exactement ça tiers parti a. Par exemple, Get to Checkout qui offre qui offre de, des paiements. Qui euh, recevra paiement sur Visa, Mastercard, etc. Gain, y net, otherwise c'est lui même moi même moins plus utilisé. Euh, Pour moi même, les gants sécurité tight solide. Les buts ne avec un faux cadre de débit, un faux cadre de crédit. Euh, les pas même, euh, pas même et comment 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 capable de dire ça automatiquement les détecter. Depuis que nous avons rentré Katla directement, il a déjà détecté, est-ce que Katla est bon ou soit Katla pas bon. Okay? Donc, l'oclic ok est sur le libre-là de Kounia, il faut euh, qu'on le crée, un compte sur Office.net et il faut regarder, il faut payer un bon boulie, il faut payer un bon OK On il besoin créer un compte sur Office.net et on faut que Kounia vienne mettre le login. Ou la, on a besoin qu'on y une mettre un API qui là et on a accès à Office.net. donc ne sous pas pour servir à qui third party au cas que sur Shopify OK pour le moment nous pas besoin de sélectionner paiement parce que ce n'est pas produit physique nous pourrons le vendre c'est dropshipping nous pourrons le faire même parler de produit physique ou capable vendre produit physique sur Shopify si vous avez des produits la vous pouvez vendre des produits physiques sur Shopify. Shopify n'est pas là seulement pour dropshipping. Vous pouvez vendre des produits physiques sur ok? Donc, si vous pouvez vendre des produits physiques, vous capable accepter le paiement euh, sur Shopify. Mais puisque c'est le dropshipping nous pouvons le faire, les gens peuvent payer un euh, produit sur le store. Il y a un processus automatique qui peut le faire. Déjà... Euh, Sopify payment déjà activé, ok? Ou déjà, il y a un payment qui euh, activé sur site là. Ok? Le yon moun, puisque c'est dropshipping, fait, vais montré montrer ça devant. Le yon moun un euh, produit sur le site là, il un processus automatique qui fait, qu'elle euh, join a distributeur ya, et ensuite qui retourne join nous. Ok? Je vais vous montrer ça devant qui me partie payment providers. La, parce que pour le moment, puisque ce n'est pas des produits physiques que nous allons vendre, nous n'avons pas besoin de paramétrer là. Sauf que nous sommes capables de recevoir paiement par PayPal. sur un PayPal qui vérifie. Ok? Euh, mais nous n'avons pas trop de bagages, Nous sommes capables de faire après ça puisque c'est dropshipping. Nous na pas na fait le le Check-out euh, partie vraiment importante. Ok, mwen a mwotre nou koman pou nou parametre check out la. Check out la, se lè moun nan pral peye. Ok, lè moun nan euh, seleksyonne prodwili e pi euh, livle peye. Premiyaman, nou pral mande pou moun nan check out, pou moun nan peye, eske moun nan pa bezwen gen wakant, nou pral di fok moun nan gen wakant. Se pa yon wakant ki opsyonel, se pa yon wakant ki fakultatif, fok moun nan gen wakant paske nan bezwen donen moun za ap. Ok, on va cliquer sur troisième là. Accounts are required. Customers will only be able to check out if they have a customer account. Là, vous pouvez aller créer un customer account et vous-même, vous pouvez prendre des données ou soit vous voyez par dropshipper. Ya? Ok, parce qu'on besoin de donner comme ça pour voir dropshipper. Ya? Et puis, wap kapab tou gen donen moun sa tou pou kontinue fe email marketing ansama vek li. Toujou voye de bagay pou ofre li nan email li direktman euh, pou kapab incite moun sa a tonen sou website la. Ok? Dok pati sa toujou euh, exije pou moun nan gen yon akant sou sitwa. Le kon sa tou, sitwa li men lab gen plus vizite ki engaje Euh, qui est engagé à Avel. Euh, le monde n'a pas créé euh, un Customer Account. Est-ce qu'il a besoin de créer y un Customer Account avec téléphone ni, ou bien email li, ou bien juste utiliser email euh, n'a pas utilisé email là seulement. Ok. n'a pas utilisé email là. Euh, Partie, ça n a besoin de cocher Euh, dek ap ap di le kostome amete imele le lap, lap achite produya, lap bezon resevoa uh, si produya uh, nan wout, uh, si, uh, si job ship e achip produya, lap bezon konen ki kote produya e ekzakteman, uh, ki le produya achip, donk lap bezon resevoa opdet sou uh, uh, dek ap ap di uh, transaksyon produya. Nan formule nan ap alman de pou moun nan kriye akant lan, ki sa nan ap met la donn, Euh, nous avons besoin de full name monna last name ou non, nous besoin de first name monna avec last name monna OK euh, Compagnie name, ce n'est pas tout le monde qui gagne un business. Nous avons mis les optionnels. Nous pas besoin de cacher parce que si nous avons un business, il faut que nous comprenions le client, il faut que nous comprenions comme c'est si qui est ce qui a acheté. OK Donc, si nous avons un business, nous connaît que, ah, son son des qui sont capables de dire... Qui gagne 6 mois. Donc, il y a gens qui gagne business. Tout qui pas peut le mettre, gagne business. Donc, on met Optionnel ». Non pas besoin de mettre le « Required ». On met l'optionnel, Optionnel me ». Mais pas caché. OK Si vous voulez, vous il le non de euh Deuxième bagaille, Est-ce que vous avez une deuxième adresse Ou bien, est-ce que vous avez dans un appartement OK Donc, on met Optionnel ». Euh, troisième bagage, shipping address phone number ça important pour nous parce que faut que nous voyons l'information ça baille dropshipper n'a pas demandé exigiblement faut que l'iméter yon, euh, yon numéro téléphone ok qui euh, okay. ça encore ok dans la partie ça là le customer a payé est ce que n'a print et e, e shipping adresse, euh, custom comme billing adresse là, A exemple, nous connaissons le monde qui a acheté sur débit card ou soit crédit card li. Nous capable capables un shipping adresse côté le besoin pour vous voyer et produire à Bali. Et il y a un billing adresse qui match ensemble avec uh, crédit card liya, ou soit débit card liya. Ok? Donc, il y a droit, pas même côté. Mouna besoin de recevoir pour d'huile dans le travail. Li, et puis, si, euh, uh, billing Donc, address, c'est la KLI. Donc, nous allons cocher ça par défaut. Parce que, dans la majorité de KLI, a toujours gagné. Shipping address, c'est toujours billing address. Donc, nous configurer ça par défaut. Enable auto complétion. Euh, on prend le cas des États-Unis. Si Mouna une Street. Uh, otomatikman nan formule la, uh, eta, e villa, zip code la kapab rempli otomatik pou kote li. Dok ou, um, ede kostome a fe mwes travay. Apre le kostome uh, a fin peye ki fe, uh, so a fe, nan pkite el sou donat otomatik li folfil any of the others line items paske se Job uh, qui qui pral fulfill pour nous. C'est dropshipper shipper qui pral expédier produit à pour nous. Attention. Donc, nous avons pris automatically fulfill any of the orders line items. Et enfin, euh, après le yon order fin uh, comme si yon fin préparé order à et puis customer a payé, vous a besoin d'achever order ça ou mettre dans l'historique. Ok? Donk pou email marketing nan la, euh, nou 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 deja fel, euh, nou deja pran informasyon kliyan, men ap kouche sa pou plus renforceman, pou nou plus sur ke nou pou al fe email marketing ansanm avek kliyan bi devan, nap kouche sa. Donc, nou kapap pre-seleksyonel do, la pi bon pou nou, si kliyan bliye, li bliye kouche, donk nou pre-seleksyonel. OK, là, vous capable de changer langage et store. Si vous voulez mettre en français, euh, pas store, non mes amis, c'est check out là. Checkout, là, et dans la page côté pour client pays, est-ce que vous voulez mettre en français, ou soit est-ce que vous voulez mettre en anglais, dans quelle que soit la langue. Donc moi-même, je vais me configurer store en anglais, check out en anglais, je vais quitter le sous anglais, je vais sauvegarder. Euh, katriye m bagay, se shipping nan, men m pa fel jodi ya, ma fel li, uh, le, ma, eh, le m komanse m ete prodwi, euh, koman m te kapab disa, le m komanse m ete prodwi nan website la, okay? m bel montre nou koman pou nou parametre shipping nan, se nap ou free service, free shipping tout, koman pou nou parametre, men pou le mouman, Euh, nous pourquoi moyen li parce que moi j'ai des bagages et des bagages pour moi dissoler pour moi montrer exactement comment pour nous paramétrer free shipping comment euh, pour nous paramétrer shipping selon poids euh, produit okay? ou bien selon zone euh, produit au braléa euh, avant dernier bagage m'a parce que euh, euh, ce n'est pas tout net euh, qui est important Alors, Yo, yo chaque gain potentiel, mais gain qui tout bien configuré par défaut. Ok, pas obligé de prendre tout net. vais aller dans la taxe là. Pour qui kabral fait comme ça, États-Unis. Ou capable euh, sélectionner yon taxe pour États-Unis. Ou doit « setup une taxe pour États-Unis. Ok? Donc, nous quitter le pour calculer automatique. Quand ça tout, nous par zip code, ok? donc on mettre par zip code, nous entrer un euh, nom état, nous entrer zip code là et puis voilà nous dit euh, par exemple Florida a payé taxe, New York a payé tel taxe, etc. là nous mettons lit pour calculer li, euh, li automatiquement. automatiquement puis bon pour nous. Reste mode là nous devons euh, cette option taxe tout pour reste mode là, ok? donc euh, pour le moment Nou pa bejwen e tuye tet nou, et cetera. Asof ke, euh, koman yo, koman sto a, koman pou sto a li menm li kalkule taks la, euh, ou kapab mette prodwi yo, ou kapab afishe prodwi yo ak taks la, tou inklu la den, mwen mwen pa remen fe sa, euh, mwen remen pito se lè moun nan pral peye epi li we taks la. Le monde n'a pas le payer, l'ouais taxe là. Donc, map sélectionner ça, charge tax on shipping weight. Moi, vous montrer nous pour qui ça moi sélectionner ça dans la deuxième vidéo. Parce que le pral est configuré free shipping. Le pral fait le pral déterminer shipping par zone, ok? Donc, vous montrer nous pour qui ça moi sélectionner ça. Mais toujours sélectionner ça. Dezyenm opsyon sa, toujou seleksyonel. Mba bezwa al chaje yon vye ti, uh, pou moun kap viv an Europyo, mba bezwa al chaje sa. Dok, euh, toujou seleksyonel dezyenm opsyon sa, se trez impotant, e mam, mam di nou pou ki sa nan dezyenm videyo. Euh, bon, mwen toune, e denye bagay ke nou po alwe la, denye opsyon, denye paramet ke nou po alwe la, se bilink. Beling nan se koman Shopify uh, li men lap takse yo. Uh, bon, bagay ke mwen dwe di yo, sou bagon kredi kad, ou pap kapap fe Shopify. SOS pou moun ki bagen kredi kad yo, <laughs> sou bagen kredi kad, ou pap kapap fe dropshipping ak Shopify. Menm sou tagon debi kad, ou pap kapap fe dropshipping ak Shopify yo. exigiblement, il faut qu'on ait un crédit 4 pour faire dropshipping à Shopify. Mais ça n'a pas problème. Pas de problème parce que ma vie une solution pour nous. Ma vie avec une alternative euh, pour Shopify, montre-nous comment pour nous faire dropshipping sans Shopify et sans Crédit 4. Et pour qui ça, Shopify, il euh, faut qu'on ait un Crédit 4 parce que c'est à Crédit 4 là. Se sou kredikat la, uh, Shopify pral uh, chaje ou. Ok? Se la pral pran tout fre, se, se la ou pral eh, 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 eh. se la li pral uh, se la li pral chaje ou, se la li pral mando ti kob uh, pou peye ya, uh, pou ke li men li ka kontinue uh, mette sto wwa an le. Ok? El pa an pel kob. Ni pa an pel kob. pou mbyen di nou, li ba mèm 20 dola. Ok, li ba mèm 20 dola. Mkwen se, ant 14 dola, yon ba rey kon sa. 13, 14 dola, yon ba rey kon sa. Men, egzijiblemen fok ou gwen kredikat ak Shopify. Men pou moun ki gen kredikat yo, ou bien sou gwen paran ou ki gen kredikat, se trebyen wap kapab fè uh, dropshipping ak Shopify. Men pou moun ki bagen kredikat yo, mm, nou kapab toujou esyeye faire dropshipping avec Shopify pour nous apprendre, etc. Mais ma vie n'a qu'une solution pour nous, pour nous faire dropshipping sans Shopify, sans Crédit card. Donc, euh, je faire plusieurs vidéos sur dropshipping. Je ne sais pas deux vidéos seulement m'a fait. Mais je pense que nous sommes capables de euh, l'ouvrir en store sur Shopify, nous sommes capables de paramétrer. Stoa sur Shopify. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la nous de le euh, site Web. Le site Web euh, dans Shopify. Le euh, site Web pour store, nou, hein? ok? Et nous parlerons de la nous ajoute nous ajouter des produits. C'est peut-être une nous sommes de faire une troisième vidéo. Nous allons ajouter des produits dans la deuxième vidéo. Paske ajote produ alimande yon ti prosesus ki yon ti kras long. Euh, men otomatik mwen fin fè prosesus lan. Lopal ajote produ yon, yon, yon ap otomatik. Ok? Mwen ge dwa fè yon video pou sou ajote produ selman. E answit mwen fè yon toasyem video mwen mwotre ou koman pou kustomize website la. Koman pou kustomize website Shopify ba ou a. Cela là, moi, un bout dans la vidéo aujourd'hui, Moi, espérer que, où t'es un pile bagaille, moi, J'espère que, vous ou capable ouvrir un job shipping store, ou capable de payer mon encore, ou capable de créer propre Dropshipping store, avec Shopify, ou capable lancer business dropshipping ou sous Internet depuis aujourd'hui, Qui donc, support de channel là, un pouce bleu en bas vidéo, partagez vidéo sur sous réseaux sociaux pour faire plus monde qui a nécessité mes ça, join mes ça, yo, pour influencer plus monde Créer business en 2019. Sous ta question ou soit suggestion, commentez en bas vidéo. Je suis très content et vidéo Et tant s'il vous plaît, parlez crime directement sur Facebook, parlez crime directement sur Instagram, parce que l'opposé, une question. moi, réponds en privé l'autre monde qui sous channel l'a pas bénéficié de réponse là le moi pour obligé répondre chaque monde séparément côté que où tu capable juste commenter en bas vidéo la moi répond nous et tout le monde a bénéficié de questions là et de réponse moyen. moi espérer qu'on comprenne commenter en bas vidéo à espace commenter là la ça et sous nouveau channel là sous intéressé compte comment pour être la caillou pour ouvrir business ou sur internet pour faire l'argent Abonnez à Chanel Moyen et puis activez cloche notification. Wa.